Julien et Nouria viennent de terminer leurs études de tourisme et de marketing. Mais la pandémie de coronavirus a bouleversé leur plan de carrière. L'année dernière, je travaillais dans un bureau où je préparais des événements et des salons. Maintenant, je veux retourner à ma formation hôtelière, peut-être à la réception d'un hôtel ou dans les relations clients. Je voulais trouver un temps partiel pour gagner un peu d'argent. Je pensais à la suite. En février, je voulais me rendre en Asie pour étudier le chinois. Mais actuellement, c'est difficile pour moi de trouver ce genre d'emploi. Cette situation est identique pour de nombreux jeunes diplômés à Barcelone qui se sont rendus cette semaine à un salon de l'emploi. Pendant l'été, l'Espagne a connu le taux de chômage des jeunes le plus important d'Europe. Il était de 10 points supérieur à celui de l'Italie, pourtant très touchée aussi par le coronavirus. Le marché du travail connaissait déjà des difficultés avant la pandémie. L'Espagne est le pays qui connaît le plus grand nombre d'emplois intérimaires. La sécurité professionnelle n'est pas acquise pour les jeunes Espagnols. Améliorer les conditions de travail est donc une priorité pour la mairie de Barcelone. Ce ne sont pas les seuls à avoir subi les conséquences de la crise, mais ce sont eux qui ont connu l'impact le plus fort. À un moment où cela peut porter préjudice à leur carrière professionnelle. C'est juste au moment où ils commencent à se développer sur le marché du travail. Pour les autorités locales, l'aide européenne est donc très attendue pour aider les jeunes à se lancer dans le monde professionnel. Nous n'avons pas seulement besoin de fonds supplémentaires, mais surtout mieux orientés. Je pense qu'il faut être judicieux en ciblant les secteurs qui nous permettront de réussir la relance économique. Nous devons promouvoir des domaines comme l'innovation, le numérique et l'économie verte. La tendance actuelle est au développement des compétences numériques. Les jeunes en particulier sont habitués à apprendre de nouvelles compétences par eux-mêmes en surfant toute la journée sur Internet. C'est important qu'ils utilisent tous ces contenus gratuits en ligne. C'est le moment d'avoir des formations. Lucas, par exemple, pense avoir trouvé son prochain défi. Je n'avais pas fait attention à une formation d'impression 3D. Et maintenant, je trouve que c'est intéressant. Ce n'est pas si difficile. Il faut un petit peu d'effort. Je peux le faire. Un consensus général se dessine sur le fait que de nouvelles approches sont nécessaires pour éviter que les nouvelles générations deviennent les plus vulnérables sur le marché du travail espagnol. Laura Ristrullols, in Barcelona, for Euronews.